Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette présentation, nous allons voir la troisième partie de la structure d'une pièce de théâtre. On parle ici des péripéties. Il s'agit de l'activité de lecture de la scène 3 de la pièce Les parents dans l'embarras, page 140. On commence d'abord par un petit rappel des événements qui se sont passés dans la pièce Les parents dans l'embarras, dans la scène d'exposition et dans le nœud. Premièrement, on commence par la scène d'exposition. Les parents parlent de leur fils qui est malheureux malgré tout ce qu'ils font pour lui. Deuxièmement, dans la deuxième partie, ça veut dire le nœud, Martin, ça veut dire c'est le fils, demande une vraie Ferrari et ses parents n'ont pas les moyens de les payer. Alors, là, vous avez quelques mots difficiles pour enrichir votre lexique. On commence par le premier mot, désemparé. C'est un adjectif pour désigner qui ne sait plus quoi faire suite à quelque chose qui s'est passé. Par exemple, j'ai perdu mon téléphone, je suis désemparé. Deuxièmement, psychiatre. C'est le médecin qui s'occupe spécialement des maladies mentales. Camisole, c'est une sorte de vêtement à manches et court qui se porte sous ou sur la chemise. Démunie, personne privée de ressources de quelque genre que ce soit. Par exemple, je suis démunie, je n'ai plus d'argent. Économie, ça veut dire argent mis en réserve. Sous, ça veut dire argent. Alors, le titre de la pièce, Des parents dans l'embarras. Il s'agit de la scène numéro 3. Les personnages sont le père, la mère et le psychiatre. Lieu et temps, ça veut dire le cadre spatio-temporel. La maison des parents, le domicile, le jour, ça veut dire pendant la journée. Didascalie, nous avons deux types de didascalie, didascalie interne et didascalie externe. Par exemple, didascalie interne, passez-lui la rose, didascalie externe, empressez un temps. On passe. Les péripéties. Le psychiatre pense que Martin veut un modèle de voiture jouet. Deuxièmement, il propose aux parents un chèque qu'ils vont lui rembourser plus tard. Troisièmement, il fixe un rendez-vous médical avec les parents. Mes chers élèves, je vous invite à recopier ces traces écrites ainsi que je retiens. Les péripéties sont une suite d'événements déclenchés par le nœud qui provoque un changement dans le déroulement de l'action et la font progresser vers le dénouement. Et merci pour votre attention.